Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien, que tu passes de beaux moments en cette période printanière, estivale. Alors allons-y pour la première guidance de la polarité yin, guidance flamme jumelle. C'est parti, je commence avec la polarité yin. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Oups, je fais du bruit avec mon petit bol tibétain. On va garder celle-ci. Est-ce que mon... Ouais, mon jeu est à l'endroit. Je sais pas si j'avais mis mon jeu à l'endroit ou à l'envers. J'ai enlevé ça parce que ça me bête. Voilà. Hop. Regardez celle-là, alors deux, qui est restée coincée dans mes mains. Ah ouais, j'aime bien, voilà, tu vois. Je me dis, aujourd'hui, est-ce qu'il a envie de parler? Oui, des fois, il veut pas parler. Hein. Des fois, le jeu ne veut pas parler. Et il nous en reste une dernière. On prendra Algariel après. Non, là j'en ai deux, j'en veux juste une. Ah regarde, je sais pas si tu arrives à la voir. Regarde, elle est là. Hop. Voilà. Bon. Très bien. Alors déjà, tu vois ici, il est question de voyage. J'aime bien le 9 de carreau parce que là déjà, ça veut dire que dans la tête, là, il est question quand même d'avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Y a quelque chose là qui change, qui est en train de changer. Intérieurement, y a peut-être une décision qui s'est prise de partir, de faire un voyage, hein, ou de partir en vacances, de faire un voyage, ou de vraiment changer de vie. En tout cas, c'est un projet qui va vraiment changer. Qui change la vie, c'est pas quelque chose qui te maintient dans ce que tu es, c'est le désir vraiment de changer sa manière de vivre. Et ça peut être de manière radicale hein, pour certaines personnes aussi. Bien sûr, il y a cette notion voilà, de prendre conscience de ça, d'aller vers ce désir-là, et de commencer à mettre en place les choses, parce que ça, c'est aussi le temps de la préparation. Voilà, une préparation, là c'est un gros projet, c'est pas un petit. Hein, c'est quelque chose d'important, même si ce sont des vacances, ça peut être des vacances, par exemple, faire un tour du... Enfin, des vacances. Partir un temps, mais qui demande de grosses préparations, de gros préparatifs. Et quelque chose qui est là vraiment pour changer sa manière de vivre, ou changer sa vie. Alors là, il y a à prendre en compte quand même la réflexion, le temps de se poser, pas partir sur un coup de tête, prendre le temps d'organiser les choses. Voilà, tout simplement. Là, c'est vraiment la préparation pour l'avenir, pour demain. C'est pas quelque chose de petit. Même si ce sont des vacances, c'est ce que je voulais dire. Les vacances, elles vont apporter vraiment quelque chose d'important pour la suite des événements, quoi. C'est la personne qui va partir pour ce voyage. Quand elle reviendra de ce voyage, eh bien, ce sera pour aller vers quelque chose d'autre, hein, vers un nouvel avenir. Il y a un changement là. Pour moi, il y a une prise de conscience, une nouvelle perception et ce désir d'aller vers autre chose. Mais ça se prépare et ça se prépare matériellement. Ça se prépare peut-être aussi pour certains yin, ça se prépare aussi au niveau physique, physiquement et bien sûr psychologiquement et émotionnellement. Matériellement, psychologiquement. Émotionnellement et physiquement.
Et donc ça peut amener des ruptures, des séparations, des fins de situation pour aller vers autre chose. Mais ici, il n'est pas question de précipiter les choses. On demande de bien pourquoi, en plus, bon, cette carte te dit de vraiment pas précipiter les choses. Ce sont les argonautes hein, qui embarquent sur le navire Argo, justement. Donc on les appelle les argonautes. Eh bien, ici, on voit que si ça n'est pas réfléchi, eh bien, on va droit à la catastrophe en fait. Avec Phaéton qui se fait piquer par un scorpion, il est là le scorpion. Et donc, on pourrait très bien se dire voilà, à partir de là, il y a peut-être ce désir de partir, d'aller vers, de changer sa vie complètement, d'aller vers quelque chose d'autre, mais avec des préparatifs pour éviter la catastrophe en scorpion aussi. Scorpion, c'est octobre-novembre. Et Phaéton, en fait, il a voulu prendre un char qu'il ne savait pas maîtriser, avec des chevaux puissants. Il s'est fait piquer par le scorpion qui est là, et les chevaux, là, il y en a quatre qui sont puissants, et eh bien l'ont emmené droit dans le ravin. Il n'a pas été en mesure de maîtriser ce char. Ce char demandait une certaine maîtrise et entraînement. Il fallait apprendre à le conduire. Phaéton a été un peu trop sûr de lui ici et du coup ça l'a mené à sa perte. Donc là il est vraiment question de préparer les choses. Voilà. De préparer les choses. Le 9 de carreau c'est cette notion aussi de ne pas forcer les choses. C'est-à-dire que tout arrive au bon moment et si tu ne fais pas les choses, pour ça il y a un temps de préparation pour pas tomber. Hein. Voilà. Il y a un temps pour pas chuter, il y a un temps de préparation parce que si tu pousses, si tu veux mettre en place quelque chose quand c'est pas le moment, si tu t'investis dedans, dans quoi que ce soit au niveau sentimental, professionnel, matériel, amical, financier ou une aventure familiale. Eh bien, si c'est pas le moment, tu peux te tromper, tu peux tomber. Et des fois aussi, il ne faut pas hésiter. Cette carte, elle te dit, il y a cette notion de timing, de bon timing, et il y a cette notion aussi de ne pas être dans l'orgueil ici, parce que Phaéton aussi, ça c'est la carte de l'orgueil, et de ne pas, on peut, c'est pas un problème de se tromper. Hein, c'est ok de se tromper. Quand tu fais des erreurs, des échecs, c'est comme ça que tu apprends. Donc, il ne faut pas hésiter à rebrousser chemin, à accepter ses torts et à rebrousser chemin. Voilà, et à faire les choses en conscience. Hein, le faire vraiment en conscience aussi, ça. Pas parce que, par exemple, tu es obligé. Si tu le fais en conscience et dans l'acceptation, ça t'apporte beaucoup plus à toi et aux autres. Donc il y a cette notion de voir ses erreurs et on te dit que c'est justement avec cette acceptation et cette conscience que l'homme évolue en fait. Hein, de cette acceptation et cette conscience de ses erreurs. Donc ici, on te demande de positiver. Hein, quoi que tu viens de vivre, voilà. On te demande de positiver, de regarder, voilà, de faire les choses en conscience et de ne pas hésiter à prendre des avis, des conseils pour préparer ce que tu souhaites préparer. Voilà. Là, on peut avoir certains yin qui se sont dit, oh là là, je suis allée dans cette relation sentimentale, hein, par exemple au niveau sentimental, comme c'est ce qui intéresse quand même le plus beaucoup de personnes. Bah, peut-être que finalement j'aurais pas dû. Mais si les choses sont préparées, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi une question de moment. Parfois, c'est pas le moment de se manifester. Et c'est plutôt le moment de rester en retrait, de continuer son chemin. Voilà. Là, il y a cette notion de prendre des avis autour de soi. Et le mieux encore, c'est d'être à l'écoute de toi intérieurement. Hein? Tu sens si c'est ton ego qui veut pousser les choses. Et tu sens si, au contraire, par exemple, si ton ego te met en réaction sur quelque chose. Et tu sens si vraiment c'est le bon moment, si c'est la bonne direction, parce que tu te sens bien, parce que tu te sens en joie.
Et là, c'est le bon moment, c'est la bonne direction. Et bien voilà, ces deux cartes en fait ensemble, ici, hein, c'est de ça qu'elles te parlent. Voilà. Donc attention à l'orgueil ici. N'hésite pas à rebrousser chemin si tu sens que tu as poussé les choses et que ce n'est pas le moment. Hein, dans une relation aussi, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a aussi cette notion d'accepter ses erreurs aussi, également. Hein, pourquoi pas? Ça permet aussi d'avancer. Ici, il y a cette notion aussi que tout ce à quoi tu croyais, aussi les valeurs que tu avais, et surtout au niveau, on va dire, philosophique et spirituel, eh bien, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est aussi cette notion, cette carte que tu donnes, que tu vois les choses peut-être différemment. Je te parlais de changement de perception, hein, de la vie, du sens que tu donnes à la vie et à ta vie, la manière dont tu vois les choses, en fait, tout ça change. Il y a cette notion d'aller vers de nouveaux horizons aussi, et cette notion d'avancer seul aussi, hein, également, seul avec soi-même, pour aller justement pour aller à la rencontre de soi et de ton plein potentiel, faire surgir aussi ce plein potentiel. Il y a aussi cet essentiel, c'est-à-dire l'essence de ton âme, qui te met en fait sur la voie de ton âme et justement sur ce pourquoi tu es incarné ici dans cette vie en fait. Et ça va être de découverte, tu vas aller de découverte en découverte. Voilà, étape par étape, une marche après l'autre, une sorte de quête, la quête, une sorte de quête de soi en fait. Et donc, on te dit ici que les prochaines rencontres, justement, eh bien, vont participer à cette quête, à cette évolution. Voilà, elles font partie de ton chemin. Et peut-être là, la dernière rencontre que tu as faite aussi, également. En tout cas, c'est vraiment une guidance qui t'invite à prendre soin de toi. Là, on voit qu'on a la dame de trèfle. On peut avoir une dame de trèfle aussi, une amie. Je te parlais de prendre d'écouter des avis, des conseils. Eh bien, pourquoi pas auprès de cette amie qui est là. On a une belle personne intérieurement, extérieurement ici, avec notre petit sujet qui est là. Il y a cette notion-là, on a quelqu'un qui est de bonne réputation aussi. Donc cette personne-là, ça peut être toi et ça peut être aussi une amie, hein, qui est là justement, parler de conseils, d'avis et qui peut être là justement pour te donner de bons conseils aussi également. Ici, j'ai un yin qui est sûr de lui aussi, hein, une polarité yin qui est sûre d'elle là aussi, hein, également. Voilà. En tout cas, il est question d'aller vers quelque chose quand même d'agréable, vers des échanges agréables, mais peut-être d'aller un peu plus en profondeur, moins superficialité, être moins dans les apparences aussi, avec cette carte-là et notre petit sujet également. Et c'est pour ça que je te parlais qu'il y a un changement. Là, on a quelqu'un qui est moins dans les apparences, qui vient plus dans ses profondeurs, c'est-à-dire découvrir au-delà du personnage, justement l'essence de son âme. Et donc dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est aussi aller plus en profondeur. Et ça commence du coup par soi. Et par un voyage intérieur ou vraiment réellement extérieur qui va t'amener à devenir toi et aller vers du coup un changement de vie. Au niveau professionnel, ici, c'est tout ce qui est en lien avec la beauté, hein, avec ce petit sujet-là. L'esthétique, l'art, il y a vraiment tout ça. Il y a quelque chose d'agréable là, qui va être agréable. Il y a un petit, il peut y avoir un changement aussi au niveau social.
Hein, également, on a quelque chose de plutôt agréable. Des fois, on peut avoir des personnes qui sont plus introverties, puis qui se retrouvent à aller plus, à être plus en contact avec l'extérieur. On parlait de nouvelles rencontres. Donc, il y a vraiment ça. Justement, le fait de se découvrir soi, après, bah, change au niveau de l'extérieur. Il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent, de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Eh bien, ça peut être ça aussi. Donc, se montrer. Cette sensation de personnes comme ça qui sont restées peut-être très intérieures aussi. Qui vont vers les autres, hein, qui s'ouvrent vers les autres aussi. Moins centrées sur soi aussi et qui s'ouvrent vers les autres aussi également. Il y a cette notion-là. D'où le changement de valeur, hein, au niveau philosophique et spirituel. Et donc le changement aussi au niveau relationnel, hein, c'est ça, c'est un changement sociétal aussi. Il y a un changement de ses relations autour, quelles qu'elles soient également. Voilà, j'ai ma petite qui vient de se réveiller, elle a fini sa sieste. J'aime bien la lettre F, F comme femme. Voilà. Et il y a cette notion, la dame de trèfle, c'est une amie, je t'en parlais tout à l'heure. Donc il y a aussi cette notion de vivre des relations vraiment agréables aussi, amicales, que ce soit au niveau sentimental, hein, donc au niveau professionnel, au niveau amical, sentimental. Et cette dame de trèfle, elle me fait penser à la sororité. Cette amitié féminine qui peut être vraiment très forte. Là, on ne parle pas de féministe, hein. C'est vraiment cette solidarité féminine, mais c'est plus que ça. C'est vraiment une question de sororité, hein, d'être des amies et des sœurs. Voilà. Comme si, en fait, les femmes allaient se mettre en lien. Alors, la polarité yin n'est pas forcément toujours une femme, hein, ça peut être un homme aussi. Hein. Mais ici, il est vraiment question de ça. De préférer peut-être pendant un temps la compagnie des femmes, que tu sois une femme ou un homme, et ce qu'elle t'apporte en fait. Il y a quand même, avec la lettre F, une vigilance. Aussi pour un homme, aussi, il y a quand même une vigilance pour un homme où il pourrait être face ou l'une de ces femmes pourrait être pourrait le décevoir en fait, hein, être peut-être plus dans la superficialité, quelque chose de plus superficiel, dans quelque chose de plus intéressé par rapport à ce que lui souhaiterait. Il y a cette notion-là avec la lettre F ici. Et donc, du coup, il y a une notion de ne pas se laisser flatter aussi. Là, c'est plutôt avec. Là, tu as un arbre avec des pommes d'or. Qui t'amène en fait à une période de discernement, à ne pas se laisser flatter pour ne pas se laisser manipuler. Hein, il y a cette notion-là. Faire attention. Ça pourrait venir aussi, du coup, par une femme. Et en même temps, l'arbre aux pommes d'or, il va nous parler aussi d'un don, d'un talent que tu as à l'intérieur, de quelque chose aussi qui est peut-être pas encore mis en lumière chez toi. Il y a quelque chose qui peut vraiment te émerger et qui soit plus dans tout ce qui est artistique ou créatif. Et qui va te permettre, eh bien, d'améliorer une situation matérielle. Hein, si tu l'utilises et que tu en fais quelque chose. L'arbre aux pommes d'or, il nous parle de ça aussi.
Et justement, c'est comme quelque chose que tu aurais hérité ou de ta lignée ou de vie antérieure, mais c'est un don qui est là, qui est intérieur, qui n'est pas dévoilé. Et on parlait des métiers qui sont liés à l'esthétisme, à la beauté, à tout ce qui est artistique. Eh bien, quelque chose, voilà, si tu avais, il y a peut-être quelque chose en toi que tu n'oses pas, vers lequel tu n'oses pas aller. Que tu n'oses pas développer, que tu te dis, bah, non, je ne sais pas faire, je n'ai pas les compétences, mais ça pousse quand même en toi et tu as envie de le faire, mais tu dis, j'y connais rien du tout. Bah là, c'est peut-être ton âme aussi qui pousse derrière en disant, hé, tu as ce don-là, tu sais faire, vas-y, bah, fais un premier pas, tout s'apprend. On te dit de ne pas gaspiller ça. Et de ne pas rester dans l'ignorance, justement, parce que des personnes pourraient très bien utiliser pourraient très bien le voir et on te dit, ben ouais, te manipuler ou te flatter pour utiliser certaines compétences ou simplement ta manière d'être au monde dans leur intérêt. Il y a une notion vraiment de positionnement, d'affirmation et de faire preuve de discernement en ce moment. C'est voilà, c'est important. Alors pour d'autres personnes, il y a peut-être aussi, on parlait beaucoup de projets avec le bateau ici, peut-être cette notion d'avoir envie de réaliser quelque chose. Où tu attends peut-être une réponse dans le domaine matériel et puis en fait ça vient pas. Ça vient pas et peut-être que tu t'inquiètes parce que bah, ce que tu souhaites réaliser avec cette réponse, bah, du coup est stoppé. Hein, ou alors simplement les choses se mettent pas en avant, tu peux pas démarrer quelque chose que tu as envie. Bon, on t'appelle toujours à faire preuve de discernement, de lucidité. Et de regarder aussi avec la carte de l'orgueil, du coup, quelles actions ont été mises réellement en place et pourquoi ça ne se fait pas. D'être lucide, hein, d'accord, sur soi aussi. Que ce soit au niveau professionnel, matériel ou au niveau sentimental, hein, ça. Voilà. Des fois, on te dit qu'en fait, chaque chose en son temps. Et puis, des fois, en fait, c'est le moment de mettre en place quelque chose, par exemple, bah, matériellement ou professionnellement, mais ton attention est mise et distrait. Justement, on parlait de faire attention aux personnes qui pouvaient te flatter, voire te distraire. Et à ce moment-là, eh bien, ton attention peut être déplacée sur quelqu'un qui distrait ton attention, hein, homme ou femme. Et par exemple, ça peut être aussi bah, une rencontre ou le désir de faire quelque chose avec quelqu'un au niveau sentimental aussi. Alors qu'en fait, c'est pas le moment, et le moment est de te centrer sur toi et tes réalisations, tu vois. Et bien là, la guidance, elle nous parle de ça en ce moment, surtout avec cette carte ici. Et celle-ci, là, les deux, comme ça, il y a une notion d'avoir en fait eu le désir et le souhait d'aller vers quelque chose qui était important, que ce soit au niveau, sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Justement d'avoir utilisé d'avoir eu ce désir, cette ambition, et eh bien de réaliser quelque chose qui pouvait être ambitieux, d'atteindre des sommets ici, et de voir qu'en fait ça s'est pas fait. Ici, il y a cette notion-là. On peut avoir envie justement de changer, de partir, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. On a peut-être cru à quelque chose, cru que ça se ferait, peut-être des fausses promesses qui n'ont pas été tenues, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Et donc, il y a pu y avoir, oui, c'est des engagements qui n'ont pas été tenus, du coup, de la colère ici, de la déception et de la colère ici. Et donc, parce que cette carte, elle est dans le passé, et donc là, c'était vraiment, ben, c'est
une guidance qui te dit bah, d'en tirer un apprentissage, une leçon de cette situ de ce qui s'est passé, pour être peut-être plus lucide aussi, avoir plus de lucidité, plus de discernement. Voilà. Et aussi, c'est peut-être quelque chose qui t'amène à plus d'indépendance, hein. À faire preuve d'initiative, on le voit avec les Argonautes ici, nouveau départ, aller vers quelque chose d'autre, vers un nouveau projet, un changement de vie, mais quelque chose d'assez radical. C'est peut-être une situation qui t'a fait prendre conscience que, eh bien, ou tu n'étais pas dans la bonne direction, hein, ou qui t'a fait prendre conscience que non, ça c'était, bah non, c'est pas pour toi. Ou alors ce que tu vis, eh bien là, il est temps que ça se stoppe, que ça cesse. Eh bien aussi, c'est partir, effectivement, ici, c'est partir aussi seul. Voilà. Partir seul, ou alors, on l'a vu, hein, rejoindre aussi, pourquoi pas, des amis. On parlait de sororité ici. Partir seul, ou faire les choses seul, mais sans être vraiment seul, c'est-à-dire qu'avec les encouragements et le soutien aussi d'autres personnes. Donc là, il y a un changement de cap qui peut être difficile, mais on te dit que dans tous les cas, tu en es capable, hein, je disais, donc avec ces deux cartes-là. Elles se relient bien. On voit qu'on a voilà, ici un yin qui est sur les grandes questions, sur des grandes questions spirituelles ici et philosophiques, hein, et notamment spirituelles sur eh bien, le sens qu'on donne à la vie aussi, et y a-t-il une vie après la mort pour certains? Il y a une ouverture de conscience là. Et se relier aussi, justement se relier plus à son guide intérieur. Écouter son intuition, hein, la voix de son âme. Et on te dit justement que suite peut-être à des déceptions, justement, il y en a qui peuvent être dépités que quelque chose ne se soit pas fait aussi. On te dit que malgré les doutes que tu peux ressentir, eh bien, tu es guidé. Il y en a qui sont peut-être un peu perdus, mais on te dit vraiment que tu es guidé. Voilà. Ici, on en a qui s'ouvrent à autre chose, qui vont aussi les rencontrer des personnes aussi qui seront avec une ouverture de conscience aussi peut-être plus grande, différente. C'est pas une question de niveau, hein. Il y a une notion de recherche aussi, de se chercher beaucoup aussi sur cette voie spirituelle. C'est-à-dire vraiment en lien avec son soi profond, hein, le soi supérieur, le guide intérieur, j'entends guide intérieur, avec le divin. Il y en a qui sont au début de ce chemin-là, on leur dit de ne pas se décourager, qu'il y a de belles découvertes à venir. Là, j'ai vraiment des. Il y a une ouverture de conscience, en fait, au final, hein. C'est une grande ouverture de conscience, ça. Allez, on va prendre Algariel. Hop, je vais mettre grand Lenormand à côté. Et on va voir de quoi nous parle Algariel. Les cartes divinatoires d'Algariel. J'aime beaucoup. Elle est restée un peu bloquée, celle-là. Eh bien, celle-ci, c'est la carte de l'opéra. C'est une carte qui est positive. Je l'aime beaucoup et elle représente encore les artistes. On a vraiment quelque chose avec les artistes aujourd'hui, hein. Voilà, tu vois, on a un balcon, en fait, à l'opéra. Donc, ce sont tous les artistes, hein. Toutes les formes d'art, hein. Ce ne sont pas que les peintres, ça peut être des acteurs, des musiciens, tout ce qui est en lien avec l'expression aussi, et puis le fait d'aller sur scène, de se montrer, de s'exposer, il y a cette notion-là aussi.
Alors cette carte, justement, regarde, c'est un balcon. Donc du balcon, tu peux observer, tu peux voir. Donc tu n'es pas sur la scène, tu es à l'extérieur. Et donc il y a une prise de recul, une prise de hauteur. Et il y a cette notion justement d'observer et de prendre de la hauteur pour avoir plus une meilleure analyse, une meilleure peut-être une réflexion sur ce qui se passe en ce moment. Ça rejoint le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, toujours pour la polarité yin. Donc ici, il y a cette notion de de se positionner. Et il y a aussi cette notion de sortir de l'ombre. C'est vrai qu'on est caché dans le balcon ici, nombre 22 ici. Aussi, également. Et il y a cette notion de se montrer, de sortir de l'ombre. 11, 22, on est vraiment sur le nombre des duos divins ici. Ici, justement, on a un duo qui peut être relié aussi, profondément relié, complice par une mission commune, par une passion commune, et qui peut être du coup artistique, bien évidemment, mais aussi au service des autres, hein, aussi également. Voilà. Mais il y a cette notion de ne pas se perdre là-dedans. Là, on peut avoir deux personnes en fait qui mettent plutôt cette passion commune en avant plus que le duo, le couple lui-même. Et ça, on peut le retrouver dans tous les couples en fait aussi. Et des fois, ça peut être aussi, là ça me parle parce que c'est ce qu'on retrouve très souvent avec les enfants. Hein. Aussi, c'est de ne pas se perdre aussi, tout donner pour les enfants. Ça se fait un temps et c'est d'avoir des moments de se ressourcer pour pouvoir se ressourcer seul et à deux. Voilà. De ne pas être effacé, voilà. Que ce soit au sein d'un couple, s'il n'y a pas d'enfant, ou effacer, c'est-à-dire tout donner au couple, ou tout donner aux enfants, puis s'oublier soi finalement, hein. Voilà. Il y a vraiment, j'ai partagé ça, une belle illustration sur Instagram et je remercie la personne qui l'a, je crois que c'est Becca Illustration qui l'a créée. Et c'est il y a une maman qui a un arrosoir, donc elle a un arrosoir, de l'arrosoir sort des petits cœurs. Elle a un premier arrosoir, elle le met au-dessus de sa tête, et le deuxième arrosoir, elle le met sur son petit garçon. Voilà, ce sont des petits cœurs qui sortent des arrosoirs, donc c'est s'arroser soi pour pouvoir arroser l'autre, quoi. Et il est vraiment question de ça, là. De se donner d'abord à soi. Hein, pour pouvoir arroser l'autre de tous ses dons, ses talents, de tout son amour. Voilà. Donc là, c'est vraiment aussi, c'est un grand don, ça, hein, l'opéra. Il y a vraiment, ici, on parle d'un grand artiste. Hein, donc, que ce soit la musique, hein, je te dis, hein, le dessin, la peinture, le cinéma, le théâtre. Il y a vraiment cette notion de, peut-être on en parlait tout à l'heure, de ce don à l'intérieur, de ce potentiel qui est là, qui est créatif et qui demande à surgir. On voit que c'est beaucoup pour les personnes qui cherchent en fait quelque part leur mission en fait d'âme. Je dirais plus que de vie, mais d'âme. Bah, il y a ça, c'est très fort parce on le retrouve autant avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand que dans les cartes divinatoires d'Algariel. Il y a de se tourner vers ça, vers ce qui est artistique. Hein, si tu cherchais, eh bien là, il y a une voie. C'est vraiment en rapport avec ces domaines-là. Voilà. Et si justement tu es pas dedans, que tu travailles sur autre chose, il y a vraiment ce désir profond d'aller vers ça, eh bien écoute ce désir-là.
Et c'est aussi, je pense à l'art thérapie au niveau de la santé. L'art thérapie peut aider beaucoup de personnes aussi. Hein? Justement, à prendre de la hauteur sur les problèmes de santé, que ce soit de problèmes de santé physique ou psychique, hein? Voilà, de s'élever et de changer un peu son quotidien aussi pour éviter de se replier sur soi-même. Alors, je parlais de domaine artistique, mais ça peut être aussi tout ce qui est de culture étrangère aussi, hein. C'est pas que l'artistique, c'est aussi tout ce qui est en lien avec des cultures étrangères. Voilà. En tout cas, ce qui est mis en avant sont des personnes qui ont de belles dispositions artistiques et peut-être qu'ils ne le savent pas encore aussi. On va voir la deuxième. Donc voilà pour le yin, hein, toujours. D'ailleurs, c'est très en lien avec le yin, hein. J'ai cru que j'en avais deux, non, j'en ai qu'une. On va prendre ces deux-là. Et vers quoi ça va? Eh bien, ça t'emmène vers un changement. Voilà. Ça t'emmène vers un changement. Ce changement, eh bien, c'est la lettre 5, c'est notre train. Et puis, ben, notre train, c'est une carte qui est plutôt neutre, mais elle nous parle encore une fois de nouveau départ. On l'a vu avec les Argonautes, hein. Elle rejoint vraiment cette carte-là. Donc, il y a cette notion de nouveau départ, de nouvelles possibilités, de nouveaux déplacements. Il y a une belle évolution. Voilà. Cette carte, elle est autant en fonction des cartes avoisinantes. Nous parle d'évolution, de régression. Bon, bah là, on voit qu'il est vraiment question de nouveaux départs qui sont en lien avec l'utilisation de son plein potentiel, en fait, ici. Donc, c'est vraiment une évolution. Et les nouveaux départs, on a vu, ils peuvent être très intérieurs, spirituels, comme on l'a vu avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand. En tout cas, il y a une notion de mouvement, de voyage, hein. Ça peut être un voyage spirituel aussi, donc intérieur, ou un vrai voyage physique. En tout cas, c'est aussi la transition, le cheminement. Et donc, on te parle je parlais de discernement, de lucidité, quelque chose qui t'amène à plus de lucidité, à une ouverture de conscience. Mais on te parle aussi de patience, et moi, je dirais de persévérance aussi également. Mais il y a un changement qui est en train de se faire là. Il y a un virage. Il y a un virage qui est en train de se faire. Il y a un changement qui se fait par rapport au passé. Les choses vont changer. Il y a une évolution, hein, dans une relation affective. Et c'est plutôt vers quelque chose de durable, hein, quelque chose vraiment sur du long terme là. Il y a cette notion de longueur, de temps. C'est pour ça qu'on parlait de patience. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, c'est pareil, il y a la possibilité il y a un changement de situation qui est positif et qui peut être complètement en lien avec ce changement aussi, cette recherche de quête de soi, ce cheminement qui emmène à l'utilisation de son de ses dons à l'intérieur. Pardon, je touche mon micro. De ses dons à l'intérieur. Tu peux d'ailleurs que tu pourras développer et en faire ou pas ton métier. Voilà, cette mission de vie, elle n'est pas forcément en lien avec le métier, hein. En tout cas, elle te nourrit toi, elle apporte aux autres aussi, bien évidemment. Et donc ça peut très bien se faire sur un plan associatif aussi ou juste personnel, en lien avec les autres, tout simplement au quotidien ou dans la vie sociale, hein. On a vu qu'il était beaucoup question de vie sociale, donc il y a vraiment une ouverture sur les autres, hein, vers les autres. Voilà, et ici on a des personnes qui peuvent être fatiguées dans notre polarité yin. Il y a cette notion de prendre le temps. Profite en fait du moment pour, si tu étais partout à la fois, si tu n'arrêtes pas, bah, pour te poser, pour ralentir, pour vivre le moment présent. Ici, on est dans une saison qui t'invite à vivre l'instant présent et à en profiter pleinement. Parce que ici, j'ai des personnes qui peuvent être fatiguées psychiquement et physiquement.
Donc on dit de ralentir et de trouver ton rythme et aussi de cheminer à ton rythme, de ne pas vouloir accélérer les choses dans ton évolution. Par exemple, dans les duos de flammes jumelles, il n'y a pas à accélérer quoi que ce soit pour retrouver l'autre, quoi. Enfin, ça, c'est d'ailleurs, c'est pas du tout le chemin. Le chemin, c'est de ces duos-là, de ces duos-là. D'abord, c'est d'avancer soi, en fait, enfin, d'être bien avec soi-même, d'avancer. On n'est pas toujours obligé d'avancer, juste vivre, être bien avec soi-même et faire ce pourquoi tu es faite ou fait. Et de sentir bien avec ça. Et donc ça, c'est petit à petit, le cheminement, il se fait petit à petit au rythme qui est le tien. Et en fait, c'est vraiment aller vers ta complétude qui est déjà là, en fait. Elle a toujours été là, elle est déjà là. C'est juste que l'ego nous empêche d'aller à sa rencontre. Mais elle est là, elle est à l'intérieur de nous déjà. Ici, il est question d'un chemin initiatique, hein, et donc de rencontres initiatiques. Et donc, on a des personnes qui sont certainement dans ce chemin, dans des rencontres comme ça spirituelles, qui aident à l'évolution, quelle qu'elle soit. Et c'est tout le chemin des duos d'âme, des flammes jumelles. Sans, si c'est moi, je nommerai pas parce que sans mettre dans des étiquettes, mais c'est vrai qu'il y a des chemins quand même bien particuliers dans certaines rencontres. Il n'y a pas que ces duos-là, mais ceux-là en font partie et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir au monde, en fait, hein, et d'apporter au monde. Et ici, il y a un changement aussi. Peut-être que tu étais beaucoup, alors je dis tu, mais c'est une guidance générale, hein, pas personnelle, c'est manière de parler. Que tu étais plus, surtout avec ce qu'on a vécu, vers l'intérieur, tourné vers ton foyer, ne pas être trop sorti, pas avoir été trop à la rencontre des autres. Et bien là, il y a cette notion d'ouverture, hein, vers le monde, vers les autres, avec de nouvelles rencontres et un désir d'aller vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a un temps pour chaque chose et qu'il ne faut pas le forcer. Un temps pour l'intérieur, un temps pour l'extérieur. Voilà. Les choses se font d'abord à l'intérieur. Et avec aussi un désir d'aller vers quelque chose de différent, vers des personnes différentes, vers des cultures différentes, pour se nourrir de tout ça, faire de nouvelles découvertes. Donc, d'où la carte des Argonautes, encore une fois, et des voyages. C'est très, très présent là en ce moment, très présent. Là, j'ai des personnes qui, peut-être après avoir été beaucoup à l'intérieur, bah, sont prêtes à aller vers l'extérieur. Voilà, ouais, c'était ça que je voulais dire. Je vais revenir sur la carte de l'opéra et puis après, je ferai une autre vidéo pour la polarité Yang. Sinon, ça va être beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup trop long. La carte de l'opéra, elle parlait aussi au niveau spirituel de capacités vraiment. Je voudrais revenir sur ces capacités artistiques parce qu'en fait, elles sont importantes. C'est très important. Là, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui s'ignorent, en fait, qui ignorent leur capacité artistique et on te dit qu'elles sont grandes. Elles sont grandes, elles sont importantes. Il y a vraiment ça. On te dit de bien écouter ton intuition parce que tu peux faire vraiment de grandes choses. Donc j'insiste dessus, si tu avais ce désir d'aller vers quelque chose d'artistique et que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, mais le désir est là vraiment, mais vas-y parce que c'est quelque chose qui demande à émerger, mais il y a vraiment un grand talent là-dedans, une belle capacité. On te dit d'écouter ton intuition. On a des personnes aussi qui peuvent être aussi...
ressentir la subtilité. C'est intéressant parce que je suis avec là, je fais une guidance pour la polarité yin. Il est vraiment question d'être d'ouvrir aussi son peut-être son côté médium aussi également. De développer son intuition, hein. Il y a vraiment ça, d'être plus, eh bien, encore plus dans le ressenti, plus à l'écoute de son intuition. Il y a vraiment ça. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'accompagne vraiment vers ça. Et j'avais le désir d'apporter, de faire cet accompagnement, mais vu la saison, vu le contexte actuel, pour un tout petit prix. Et je t'invite à aller voir la masterclass Déploie tes ailes, c'est le forfait sacré féminin. Voilà, tu vas voir sur le site, tu peux taper sacré-féminin.com ou simplement cliquer sous le lien qui est sous la vidéo, tu as le lien de la masterclass. Sur le site internet, c'est écrit masterclass, tu cliques dessus. Sur sacré-féminin-point.com, c'est d'abord, tu cliques d'abord sur service et puis tu as masterclass et tu peux voir ce que je te propose. Il y a des bonus, je te donne accès à mes formations aussi en plus. Et là, je t'accompagne justement à aller à l'écoute, à reconnaître ton intuition, à aller à l'écoute de ton intuition, mais encore plus que ça, c'est-à-dire aller à l'écoute de ton intérieur, de tes ressentis, hein, écouter la voix de ton âme. Et on passe toujours un bon moment, tu as accès au replay. Et c'est pour le moment un vendredi par mois. Et si ça intéresse plus de monde, eh ben, je ferai peut-être deux vendredis par mois. Voilà. Là, ce mois-ci a eu lieu. Et si tu t'inscris, ben, je te donne accès aux deux dernières masterclass qui ont déjà eu lieu. Donc aux deux accompagnements qui ont déjà eu lieu. C'est un beau voyage que nous faisons ensemble. Tu es accompagné dans une démarche justement de coaching de vie. Avec la posture de coach, je prends cette posture-là. J'ai été formée, hein, par justement l'Union Formation, l'école de coaching et intuition de Gilles Guillon et Vanessa Milczarek. Voilà, tu peux aller voir sur mon site internet. Je t'en parle. Tu peux cliquer sur aussi qui suis-je ou à propos pour savoir justement qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et qui je suis pour pouvoir justement prétendre à t'accompagner. Voilà. Et puis sinon, tu peux me contacter en MP sur Instagram ou par mail. Il y a une page contact sur le site internet ou à lesacréféminin@gmail.com, tout attaché sans accent et je te répondrai. Voilà. Eh bien, cette guidance est vraiment en accord du coup avec tout le côté ressenti. Voilà, intuitif de la polarité yin, et on lui demande en fait de développer ce côté-là encore plus, d'être vraiment pleinement dedans. Et du coup, pour aller, cette polarité yin, elle a du mal à se mettre en action. Elle a besoin du yang. Hein, le yang, c'est l'action, la préparation, l'analyse, justement. Eh bien, pour pouvoir mettre en place les projets, elle a besoin de la polarité yang, et c'est justement ce que nous allons aller voir, parce que par cette polarité yang, elle peut aussi avoir une certaine stabilité, parce qu'elle est très volatile, cette polarité yin. Elle a besoin de justement de venir s'ancrer, et elle a besoin de cette polarité yang justement pour pouvoir matérialiser ses souhaits et ses désirs. Et on voit que là, il y a un vrai changement. Et on lui demande de prendre le temps de préparer les choses et de ne pas faire les choses sur un coup de tête. De faire émerger ce qu'il y a au fond d'elle. Parce que ça, c'est quelque chose qui va fonctionner, qui va marcher. On voyait qu'on avait quelque chose de très, très artistique. Il y a cette notion certainement de se déplacer pour mettre en place quelque chose. Donc d'où, voilà, la mise en action. Il y en a qui peut-être hésitent à se déplacer. Bon, ben là, il est question de se déplacer pour se mettre en action. Pour aller prendre des avis, des conseils. Il était question de ça, hein, tout à l'heure, prendre des avis, des conseils avec le grand jeune mademoiselle Lenormand pour réaliser certains projets ou ce qui te tient à cœur, des buts ou des objectifs. Voilà. Quel que soit le domaine. Voilà. On voit bien qu'ici, il y a cette notion voilà, de sortir aussi peut-être de la rêverie ou juste des idées et des pensées et de passer à l'action. Là, c'est ce qui est demandé à la polarité yin.
Eh bien, on se retrouve dans une autre vidéo pour la polarité Yang. Merci pour ton écoute.